l'augmentation du salaire, des minima sociaux et des retraites. Cet appel CGT FSU
solidaire du 29 septembre se resserre. Donc dans ce contexte inflationniste très important, qui a débuté non pas avec la guerre en Ukraine, mais à la fin du premier semestre 2021, remplir le réfrigérateur, accéder à la culture, partir en vacances, devient en effet de plus en plus difficile pour bon nombre de travailleurs. Et si le Code du travail prévoit une indexation du SMIC en fonction de l'inflation, il ne prévoit pas, en revanche, d'indexation des salaires sur l'augmentation du SMIC. Idem pour les minima de branche, qui devraient augmenter dans la même proportion que le SMIC. Ainsi, depuis la nouvelle revalorisation du 1er août dernier, 152 branches professionnelles sur 171 ont des minima toujours en dessous du SMIC pendant plusieurs mois. C'est dans ce contexte que la CGT, Solidaires et FSU ont lancé conjointement un appel à la mobilisation d'aujourd'hui dans Lyon. C'est la crise, mais jamais les groupes du CAC 40 n'ont gagné autant d'argent. Leur résultat s'élève à 81,3 milliards d'euros au premier semestre, soit une hausse de 34% sur un an. Des bénéfices insolents au regard de la dégradation du pouvoir d'achat des ménages qui fait ressurgir la proposition de taxation de profit. Auditionné à l'Assemblée nationale le 21 septembre, Patrick Pouyanné, directeur général de Total, a menacé d'arrêter la remise exceptionnelle de 20 centimes d'euros sur le prix des carburants et de diminuer la part du raffinage en France en cas de taxe sur les superprofits. Pourtant, la taxation des profits constitue une réponse solide à bien des besoins urgents. Et pendant que nos ministres dînaient hier soir à l'Élysée, en discutant tranquillement sur comment ils allaient sabrer la retraite des travailleurs, ne pouvant plus avancer l'argument du déficit du système, ils s'emploient à manipuler les chiffres et les conclusions du Conseil d'orientation sur les retraites. Il se pourrait qu'il y ait hypothétiquement une baisse de croissance de la productivité dans les prochaines années. Mais Macron veut aller vite. Lors d'une réunion avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, le 19 septembre, les syndicats ont affiché un front commun contre le projet. Même le patronat a opposé une fin de non-recevoir, sans doute conscient de la colère sociale qui gronde si la réforme venait être présentée sans concertation et à la vitesse du galop du cheval. Pour la CGT, les solutions pour accroître les ressources des caisses des retraites et équilibrer les systèmes sont simples. Il faut augmenter les salaires, développer l'emploi stable et qualifié, cesser de multiplier les exonérations de cotisations sociales. Et bien évidemment, dans la fonction publique, revaloriser le point d'indice, embaucher massivement dans les services publics, nécessaire pour répondre aux besoins des citoyens. La CGT défend un droit à une retraite pour tous les salariés dès l'âge de 60 ans, avec les moyens dignes. Évidemment. Un appel aujourd'hui de la CGT de FSU est solidaire, comme tu l'as dit Véronique, pour les salaires, mais aussi pour les pensions de retraite, les minima sociaux. Parce qu'aujourd'hui dans ce pays, ce sont toujours les mêmes qui payent la note. Alors que, comme tu l'as dit, des super profits, ils existent avec plus de 80 milliards de super profits. Alors, le ministre de l'économie nous disait, je ne sais pas ce que sont les super profits. Eh bien, nous, on sait ce que c'est, on peut lui expliquer, c'est pas très compliqué. Eh bien, de l'argent, il y en a pour augmenter justement nos salaires, pour, avoir, comme tu l'as dit, avoir une retraite digne de ce nom et ne pas partir usé par son travail et en mauvaise santé. La France a les moyens de le faire. C'est un choix politique. Et c'est ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette première journée est importante pour rappeler au pays, et aujourd'hui on va en parler dans les journaux, qu'il n'est pas possible de ne pas augmenter les salaires au moins au niveau de l'inflation qu'on annonce déjà au minimum à 5%. Parce que cette baisse du pouvoir d'achat, puisqu'on est dans un lieu de consommation, elle va entraîner toute une partie de la population à faire des choix de consommation qui ne vont pas dans le bon sens. Parce qu'on n'oppose pas fin du mois et fin du monde justement. C'est en ayant les moyens de consommer écologiquement mieux, en faisant une consommation raisonnée, qu'on pourra à la fois répondre à l'urgence climatique et à l'urgence sociale qui existe.
Donc merci à vous toutes et vous tous d'être venus aujourd'hui pour cette première journée qui en appelle d'autres. Merci à vous, vous pouvez vous applaudir, vous le méritez. Le rapport du corps 2022, sorti le 15 septembre, vient à propos pour justifier la réforme voulue par le gouvernement. Selon les projections et scénarios du corps, les déficits à venir du système de retraite sont inévitables, mais de fait, pas insurmontables. Au contraire, selon le rapport du corps 2022, de 2028 à 2032, la part des dépenses de retraite dans le PIB pourrait atteindre 14,2%, voire 14,7% du PIB, en fonction des scénarios. Mais tout dépend du niveau du PIB, de la conjoncture économique difficilement anticipable et des choix politiques faits. Le corps reconnaît lui-même l'incertitude de ses prévisions. Il table dans tous les cas sur une croissance faible et un taux de chômage élevé, en gros 7%. En tout cas, dans tous les scénarios du corps, la plupart des retraites dans le PIB est stable, autour de 14% du PIB, pourcentage reconnu comme acceptable pour le gouvernement. Et le corps fait lui-même le constat qu'après un déficit de 14 milliards en 2020, dû à une moindre collecte des cotisations du fait de l'activité partielle, le système des retraites a dégagé un excédent de 900 millions d'euros en 2021. Il sera bénéficiaire de 3,2 milliards en 2022. Le problème réel n'étant pas en soi le déficit des régimes de retraite, l'objectif n'est-il pas, avec le report de l'âge retraite, de financer la dépendance ou même la santé, comme l'a déclaré le gouvernement en juin dernier? Donc piquer dans la caisse des retraites pour financer autre chose. A cet égard, pour Solidaire, la perte d'autonomie devrait être intégrée à la branche maladie et ne doit pas être financée par le biais d'un transfert issu du système de retraite. En abaissant le niveau de protection sociale, et alors qu'il y a déjà 75 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales, le gouvernement veut encore diminuer des cotisations sociales des entreprises, dénommées charges sociales par les libéraux, soi-disant pour permettre la compétitivité. Pendant ce temps, les entreprises versent toujours plus de dividendes à leurs actionnaires, 75 milliards d'euros en 2021, et toujours moins de salaires, je tourne, à leurs salariés. C'est toujours pour plus le capital, toujours moins pour le travail. La question de fond est celle de la répartition des richesses, des cotisations sociales constituant le salaire socialisé des travailleurs et travailleuses. Pour Solidaire, les 75 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales doivent être remis en cause et une cotisation sociale sur les dividendes devrait être mise en place. Solidaire exige également l'égalité salariale femmes-hommes et une hausse de la cotisation sociale patronale. Un point suffirait. Elles sont nombreuses, les solutions escamotées par le gouvernement. La retraite à 65 ans, un recul social injuste, sans aucune justification. L'espérance de vie augmente, certes, mais on ne tient pas compte de l'espérance de vie en bonne santé, bien plus basse. 66 ans pour les femmes, 64 ans et demi pour les hommes. Partir à 65 ans, ça voudra dire partir en plus mauvaise santé et avoir une espérance de vie en retraite certainement plus courte. C'est bien ce qu'escompte le gouvernement pour réduire la fracture des pensions. Travailler plus longtemps, cela signifie aussi multiplier les cas d'inaptitude, notamment dans les situations de pénibilité. Or, de surcroît, le gouvernement a supprimé 4 critères de pénibilité en 2017, dont le port de charges lourdes et les horaires décalés. Finalement, il suffit de nier la pénibilité, comme l'a fait Macron lorsqu'il a déclaré qu'il n'y a pas de métier pénible. Tout le monde n'a pas d'emploi jusqu'à 65 ans. Seulement 33% des tranches 60-64 ans sont l'un des plus bas taux de l'OCDE. Dès lors, les cotisations sociales ne rentreront pas davantage dans les caisses. Et cela alourdira la facture du chômage et servir de prétexte à de nouvelles réformes. Pour Solidaire, il faut mener une politique de l'emploi déterminée et partager le travail. Semaine à 32 heures, sans perte de salaire ni flexibilité. Cela diminuera fortement le chômage et améliorera les rentrées de cotisations sociales. Et enfin, non à la paupérisation grandissante des retraités. La retraite minimale à 1100 euros pour une carrière complète, que promet Macron comme si c'était un cadeau, c'est en fait le seuil de pauvreté. Que deviendra la retraite pour toutes et tous, ceux qui ont eu des carrières heurtées, incomplètes, femmes en temps partiel ou congé parental, salariés ayant subi des périodes de chômage, n'ayant pas réussi à atteindre le nombre d'annuités requis pour une retraite à taux plein, avec en plus l'impact de la décote, ce seront des retraités pauvres, plus nombreux, encore qu'aujourd'hui. Merci.